Salut à tous et à toutes, c'est Changing 1988 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pack opening les amis. Effectivement avec le nouvel an lunaire, FIFA EA nous propose des packs à moitié prix mais seulement en crédit, mais enfin c'est quand même très intéressant au niveau de la boutique. Donc j'ai deux packs gratuits que j'ai toutes les semaines avec un joueur écrit équipe de la semaine mais simplement en prêt, un joueur Jumbo Premium Or. Et alors au niveau des packs en promo, on a 5 packs normalement qui sont à 25K, qui sont à 12 500, et 10 packs à 7 500 au lieu de 15 000. Je vous propose de commencer tout de suite avec les packs à 7 500 au lieu de 15 000. Deux fois la taille d'un pack Premium Or avec un extra mélange de 24 éléments dont des joueurs et des consommables avec 20 en or, au moins 7 rares. Évidemment, on se cache pas qu'on aimerait bien taper 10 balles parce que l'équipe de la semaine est vraiment hallucinante. C'est parti les amis. Premier pack à 7 500 crédits. Pas d'animation. Des petites étoiles avec un défenseur central qui sera Sul. Deuxième pack à 7 500. C'est parti les amis. Pas d'animation de nouveau. Une étoile petite avec un défenseur central de la Leicester, c'est Hut. 44 de vitesse, ça vaut pas grand chose. Par contre Vidal, 91 de vitesse, 91 de Vidal, ça c'est pas mal. On va le mettre sur le marché des transferts. Troisième pack, c'est parti. 7 500 crédits, pas d'animation. Une étoile petite avec un milieu droit. Visca, Visa, Visha, je sais pas comment on dit, c'est un joueur que je ne connais pas. Un bon pack bien pourri, tiens celui-là. Écoutez Gidon, j'espère que tout va bien pour vous. Comme je le disais dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens se sont dans la description Facebook et Snapchat. Quatrième pack les amis, c'est parti. Encore des petites étoiles, un BU. Ça va être Slimani. Slimani qui se revend un petit peu quand même en BPL. On peut le mettre aux alentours des 3000 crédits. Ça passe sans problème. Allez les amis, on est presque à la moitié des packs à 7 500. On n'a toujours rien tapé de plus ou moins lourd. Pas d'animation toujours. Oh là là, une seule étoile au rare. Un MC Silva. Si c'est bien qu'à 7 500 crédits, allez les amis, on y croit. Non, toujours rien. 3 étoiles rares avec un milieu droit. Promesse, très bon joueur. Très très bon joueur qui voit un petit peu de crédit mais vraiment pas grand chose. Parce qu'il joue dans un championnat pas fort demandé. Septième pack à 7 500, c'est parti. Toujours pas d'animation. Des petites étoiles. Un gardien espagnol. Asenio, Asenro. Huitième pack que nous allons ouvrir à 7 500 crédits. Toujours pas d'animation. Est-ce que l'étoile va être un petit peu plus grosse? Non, toujours pas. Un MOC Maxime, ce n'est vraiment pas folichon. On est en train de se prendre une belle carotte. Neuvième et avant-dernier pack. On espère toucher quelque chose cette fois-ci. Ce serait sympa au moins une étoile un petit peu plus grosse. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous montre ce que j'ai touché la fois passée. Un défenseur central, Jiménez, ça vaut un petit peu de l'argent aussi, ça. Dernier pack à 7 500 crédits et puis je vais vous montrer ce que j'ai packé la fois passée. Dommage, je n'enregistrais pas, c'était juste quelques packs que j'ai ouverts comme ceci. Un défenseur central à Wolfsburg, c'est Bruma. C'est pas mal aussi ça, ça vaut un petit peu des sous. Quand je dis un petit peu des sous les amis, c'est à peu près 1000 crédits, hein. Croyez pas que ça vaut quelque chose. Et voilà, on en a fini pour les packs à 7 500 crédits, autrement dit on n'a rien du tout, du tout. Je vais juste vous montrer au niveau de ce que j'ai eu l'autre fois. Il est juste ici, regardez, le petit Coleman en premier détenteur. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai pas encore joué avec, mais je vais le remplacer par le Coleman que j'ai déjà dans mon équipe BPL. 86, regardez ses stats, il a tout à plus de 80. 83 de vitesse, 87 et 86 de défense et physique. C'est vraiment énorme. J'ai hâte de le tester parce qu'il va être puissant. Et en plus, il est né un jour après moi, le 11 du 10 en 88. C'est merveilleux. Écoutez, je vous propose qu'on ouvre le pack ici, parce qu'on s'en moque un petit peu. On sait d'office que ce sera un gros joueur, mais c'est un joueur de prêt. Milieu gauche à West Ham, ce sera Lanzini. Ça peut toujours être sympa à tester, évidemment. Allez, hop, on envoie ça au club. Après, on va ouvrir mon pack gratuit. C'est des packs gratuits que j'ai chaque semaine, parce que j'avais acheté l'édition Deluxe de FIFA 17, je crois.
Oh, un boost, les amis. Un milieu gauche au Bayern. Kalanoglu, oui, je sais pas comment ce qu'on dit. Yes, mais c'est parfait, ça, les amis. Deux boosts de suite. Enfin, deux. Ah, évidemment, c'est un prêt. Combien est-ce que tu vaux, toi, mon petit? Ah, mais tu vaux pas grand-chose, hein. 25 000 crédits à peu près. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. On est content. On est très content. Pack en promo. 5 packs à 12 500 qui sont normalement 25 000. Tous en or, tous rares. C'est parti. Premier pack bien pourri. Avec un milieu droit. Santos. 91 de vitesse. Allez les amis, c'est parti. Un nouveau pack à 12 500 crédits. Trois joueurs armés de petites étoiles au Paris Saint-Germain. Il s'agit de Mota, 41 de vitesse. Ça ne vaut vraiment pas grand-chose. Bon, il nous reste trois packs et on y croit bien sûr jusqu'au bout. Troisième pack, toujours pas d'animation. Trois petites étoiles avec un défenseur central polonais. Glick. Glick, c'est pas mal, ça vaut un petit peu des sous aussi. Mais je vais tout mettre dans mon club. Allez hop. Avant-dernier pack. Allez, on espère toucher du lourd, au moins une animation, ce serait parfait. Toujours pas d'animation. Les petites étoiles encore avec un attaquant droit espagnol à l'Atlético Bilbao. William, ça se vend un petit peu, ça se vend aux alentours des 3000 crédits. Si vous êtes patient. Dernier pack, les amis. Allez, on respire un grand coup. Et c'est parti. Toujours pas d'animation. Une étoile, s'il vous plaît. Une belle étoile. Oh, une grosse étoile à la bouche, les amis. Milieu gauche, argentin. Ah, ben c'est celui qu'on nous vient d'avoir, Lanzini, que nous venons d'avoir en prêt. Yes, on est refait, les amis. Enfin, ça coûte pas énormément cher, mais c'est une très bonne carte. On est content de terminer par un boost. Ça fait extrêmement plaisir. Et combien vaut-il, ce cher ami Lanzini? Eh ben, il vaut absolument que dalle. 14 500 crédits, même pas. Waouh, j'aurais dit qu'il valait plus parce que ses stats sont quand même intéressantes. Ce n'est pas grave du tout. Moi, je vais le tester, le petit. Eh ben, écoutez, pas trop mal. Deux boosts dans cette vidéo. Je suis quand même satisfait. Ça fait plutôt plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager et à liker. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !